Bonsoir à nos chers téléspectateurs de notre chaîne Afrique Vision Network. Nous avons aujourd'hui avec nous des Maliens vivant aux États-Unis qui vont s'exprimer sur la situation sociopolitique actuelle du Mali. Et nous allons accueillir leurs avis, mais avant ça, nous allons demander à ceux qu'ils se présentent. Vous pouvez vous présenter. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment dire merci à vous et aussi à Afrique Vision TV. Et je voudrais vraiment dire merci à tous les téléspectateurs et à tous ceux qui aujourd'hui sont aussi souciés de ce qui se passe au Mali. Donc nous voudrons vraiment... Mon nom c'est d'abord Bourema Niambélé, mais tout le monde me connaît, Nabi Niambélé. Et je suis aux États-Unis, ça fait presque 20 ans, et je suis membre de M5. États-Unis. Je suis l'un des coordinateurs. Et donc, votre question est aujourd'hui très bien parce que nous pensons que, en tant que Maliens de la diaspora et en tant que des gens qui ont participé depuis le début jusqu'à aujourd'hui où nous nous trouvons, de venir et puis donner nos points de vue aux Maliens de la diaspora qui sont aux États-Unis et partout dans le monde et aussi aux Maliens de l'intérieur. Merci. Ok. Ambalmamso, il s'est présenté à la forme de la situation de la maladie. Ok, Ambé Alafo, Barkada, Mbafo Alhamdulillah, Rablaramina. Naye Alafo, Ambé Soli, Chiba Sanuale, Kissini Nemabai, Aminata Dene, Ablaide, Kanfana, Mbaufo, Aywa Kajien, Jiman Befo, Kamalien Befo, Jien Robela. Dans le monde entier, Malien Befo, Rangafo, Libé, c'est Bella Jelema. Ka Ameriki bela jelen fo ay wa ka mali ba ko nona fene fo an ga chokoroba mun be an ga musokoroba ka folis suma anan bal mam so fefe be mali ko nanga foli be se be mali diaspora bela jeli ne to koy madame yang ba ko rojabati ni parti nga parti vice présidentie donc ni nyama kala fene ni jali donc be am États-Unis ni nga dimba ni cheni ndo. Ok, merci Amba. Donc, Monsieur Bruna Niambélé-Ma, Bréma Niambélé, que pensez-vous de ceux qui pensent qu'il y a eu coup d'État au Mali? Il y a eu coup d'État au Mali ou bien c'est une insurrection populaire? Qu'est-ce que vous dites à ces gens? Merci beaucoup. Vous savez, l'histoire du monde, pour toutes les personnes qui connaissent l'histoire du monde, vous savez, dans toutes les révolutions du monde, et l'armée aussi fait partie du peuple. Et donc, nous voulons vraiment dire aux uns et aux autres que le Mali n'est pas un pays qui est différent de ce monde-là. Nous faisons partie de ce monde-là. Et donc, ce qui se passe ailleurs est aussi égal aux Maliens. Et donc, si nous remarquons très bien, si vous remarquez très bien, ça fait plus de 3 ou 4 mois où les Maliens sont sortis massivement, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour demander le départ pur et simple d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et donc, toutes les propositions qui ont été faites, gouvernement d'union nationale, tout cela, vous avez vu que le peuple malien dans son ensemble a refusé cela, parce que nous savons qu'aujourd'hui, le seul salut du peuple malien, c'est le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. Donc si l'armée est venue, vous avez aussi vu hier comment est-ce que l'armée et le peuple ont convergé ensemble à la place de l'indépendance pour dire au monde entier que ce qu'ils veulent entendre ou ce qu'ils ne veulent pas entendre, que nous avons procédé à une insurrection populaire. Et l'armée a été claire pour dire qu'elle est venue pour parachever le travail de la population malienne.
et elle aussi, elle fait partie de la population malienne. Donc pour nous, c'est une insurrection populaire que toute la communauté internationale, toutes les communautés nationales et internationales comprennent ça. Il n'y a plus de débat, le débat est clos quand il s'agit des coups d'État ou d'insurrection populaire. Ce débat est déjà clos pour nous. Merci. Ok, donc pour vous, du fait que le président a démissionné de lui-même et qu'il a dissous l'Assemblée nationale et puis le gouvernement, on ne parle plus de coup d'État. Non, le coup d'État n'a pas existé. Il y a eu une insurrection populaire, comme je l'ai dit. Et donc, la communauté internationale, ceux qui pensent au coup d'État, nous, en tant que Maliens, je pense que nous sommes opposés au coup d'État en 2012. Et tout le monde nous a vus partout. Et donc, nous ne supportons pas le coup d'État. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un coup d'État. En 2012, c'était quelques groupes de militaires qui se sont rapprochés et ils sont venus, ils ont renversé le gouvernement et le président. Donc, c'est pourquoi nous sommes battus contre. Mais cette fois-ci, l'armée est venue parachever le travail de la population et l'armée fait partie intégrante de cette population malienne. Merci. Amba Mousso, coup d'État de Kéram Malla. Est-ce que le coup d'État de Kéram Malla ou bien fanga d'Afrique Mendo a été le coup d'État? Aïwa, min Kéram Malla la sisan coup d'État te. Parce que Bimar ni koy blasena ambe Mamoudou Diko fofolo anga karamo ko amba fu anga cheko amba fu kanyeno shirifu ke fu uyu akli de di anma anga barake noy M5 ni te coup d'état ni coup d'état do akute keta parce que Bimam ro bla negen din la ta fe kojugu ka présent tout soro aka fanga bla o de forai ibe ka fanga bla mo shita fe ka kojugu ke ni coup d'état kundu fevera ku yobola minga jukuni donc ni te coup d'état ni e de ka fanga di ama ereni badena a follow me dem sere munu bla la ka coup d'état ke sisa ba do ko dem sere munu bla la sisa ka foko présent ga démissionner ale ko ka te fanga bla mo shi fakata. Mais dès que nous devons aller blaguer à Fangabla, où est le son folé? Donc, coup d'état. Donc, Ebolo, Sorasou nana Mali ou ga civil ou ga bara de Dafa. Sorasou nana civil ou ga bara de Dafa. Où est-ce que nous dînons les gagnants de bara que? Parce que y a ira kafo, on nous mogote Fangala, on nous ka bara imi ou ka bara dike, mais on mogote Fangala. Au bas il a dit bien là comme quoi Mali est réformé, Mali est jamais n'a pas calé le bas. Donc on a beau faire, qu'on soit au cas chasser là. Ah, il y a déjà tiré les gars pour dire qu'on a mis nos noms à délégué. Kafanga est la manie chocolat. Chocolat. Saya maké. Saya maké. Mabana. Vraiment c'est quelque chose à féliciter. Qu'on soit. Yeah. Donc on va essayer na ambal maké Monsieur Nyambelema. Nous allons demander à M. Nyambele de nous donner sa position face à la position que la CEDEAO a prise concernant la crise malienne. D'abord, je voudrais féliciter et aussi remercier le peuple malien dans tout son ensemble. Malien du Nord, Malien du Centre, Malien de partout, Malien tout court. Le Malien a montré que malgré les divergences, malgré les critiques, ce n'est pas seulement ce que la CEDEAO dit aujourd'hui. À un moment donné, on a dit qu'il y a un pouvoir islamique qu'on veut installer à Bamako. Et donc, on a essayé d'effrayer la communauté internationale. Parce qu'on a un imam devant nous, mais oubliant que les Maliens sont venus pour défendre leur dignité. Les Maliens ne sont pas venus pour défendre une religion. Parce que nous avons des chrétiens, nous avons des païenistes, nous avons des gens qui n'ont même pas de religion, qui sont au Mali, mais qui sont censés vraiment faire tout pour que le pays là se retrouve. Et donc, ce débat-là, nous avons clos avec notre combat ensemble, dans l'unité. Et ils sont venus, ils ont dit qu'il y a beaucoup de problèmes entre les membres de M5, et qu'il y a d'autres qui veulent que le gouvernement, le président reste, il y a d'autres qui ne veulent pas. On a pu faire en sorte que ce débat aussi a été clos dans notre union. Ouais. En dehors de cela, vous avez vu que hier, quand l'armée est venue à la masse, l'armée et la masse, nous avons parlé le même langage. Donc c'est pour vous dire, je voulais lancer un appel à la CEDEAO. Je voulais demander à la CEDEAO, bien vrai, vous avez des chefs d'État, peut-être aujourd'hui qui ont peur de ce qui s'est passé au Mali.
ils pensent que peut-être ça peut être respecté chez eux. C'est peut-être possible. Mais ce que nous voulons leur dire que avant d'avoir peur de ce qui doit arriver dans leur pays, ils doivent tout faire pour bien gérer leur pays d'abord. Parce que comme je l'ai dit la fois passée, nous, Africains, nous sommes le peuple le plus docile du monde. Tout ce qui se fait compte pour nous. Il y a beaucoup de souffrance, on prend, on dit c'est Dieu, qu'on soit musulman ou chrétien. On met toujours dans le cadre de Dieu. Mais quand c'est trop, et qu'il n'y a plus rien à gagner ou à perdre, c'est là-bas où l'Africain se lève. Donc je demande aux dirigeants africains de la CEDEAO de se battre pour faire en sorte que leur peuple, d'abord, soit leur première concern. C'est-à-dire, tout leur combat doit se situer, comment est-ce que mon peuple va être avec moi? Mais ils ne pas penser que, avec des discours, que les personnes même que nous avons élues, parce qu'ils ne sont pas quittés ailleurs, hein, ce n'est pas des diables, hein, c'est nous-mêmes en tant que peuple, on les a élus. Donc ce n'est pas parce que tu es à la présidence aujourd'hui que tu peux prendre des bigs ou des mots pour venir et refuser de participer, faire en sorte que le peuple soit libre et que le peuple peut bénéficier vraiment de l'économie du pays et penser que les discours vont nous effrayer. Donc la CEDEAO, je les demande humblement d'être une CEDEAO du peuple de la CEDEAO. Nous sommes convaincus que les peuples de Côte d'Ivoire, les peuples de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui font partie de la CEDEAO, de Nigeria jusqu'en Guinée-Bissau, les peuples sont avec le peuple malien. Donc nous demandons aux dirigeants de s'arranger aux côtés du peuple. Parce que l'histoire, c'est quelque chose que le peuple écrit sa propre histoire. Et donc, le Malien vient d'écrire leurs histoires. Et nous ne voudrons pas que ça se répète dans d'autres pays. Mais le conseil qu'on leur donne, qu'il soit du côté du peuple. Merci. Ok, merci. Alors que CEDEAO ga yamariya la akanga ke gouvernement de kan. Donc est-ce que ton yoliye? CEDEAO ko kuma kwa. Ambe kuma la ka ni bla ne ni nyonche. CEDEAO be fodi ka sala kun ka shito mola la kun. CEDEAO mana population de Melikama. Ne nyana CEDEAO sigi kuye population bedi. Il m'a été président de la République Choko. Public debi ikorota olebise ki laji CEDEAO ma bara foshi ke maliko la mi bise ka foko amise ka kuma nyuma fuyi parce que joli bona CEDEAO makuma ko de ma mi kera maliko na ma be et que CEDEAO sigile nye bala klobala ou ma fin fo et que si sans ko président a démissionné on ba foko coup d'état de kera CEDEAO ko kuma rene ta fe kanda doala parce que muka baraka ke chkola. Donc, en tant que la présidente d'une association aussi, art et culture, art international, culture et paix, nous devons se donner au Mali. Parce que paix et euro au Djénatéke Kono, à Mali. Donc, Djénatéke Kono, Djamana ou Djamana, la paix de l'Université. On a fait forcer les hommes au Yé. Nous devons faire une fois une mana ou beaucoup de barakets. Notre ni la balle est déjà partie. Est-ce que nous tous sommes noyés? Parce que on a déjà terminé la foco. On a déjà une situation pourri là parce que nous sommes na mission na colo là. Mais déjà fin pour à compte peuple arrangé, à compte gouvernement mogo gouvernement coro mogo de arrangé. Donc on a déjà tout ancera niora là. On a déjà tout ni moyen de fond ouvert ça là pour nous cacher tout mon là pour nous. Faso a été ferré, a été tonomada. Anyo même anga mo koroba wala ko faso te fere ate tonomada mi ku me bali ko la dugolite mo ko shila donc sereo una la retard la ko una la retard la ante anda du ko kuma loda ne ku ta faka linda ru sereo tala ani ameto sereo la toujours me question mi ni ngali kila anya jet mi ne ga fo sereo ku ya sang resolution ta sani present koroba bi ka foko ina fo 31 députés ont démissionné. Aya y a gafo uluma kala wagashi ku benna yere. Donc ya kuna yume. Memi fola alibi alabe malife. Parce que ulu yere de folo folo c'est de ou yere de ou yere mino.
u yɛrɛ de tiɲɛni kɛ u y'u kɛlɛcogo yira mɔgɔw la bɔn mali ta mana bo ye jamana wɛrɛ minnu bɛ mali kɛrɛ n'a kɛrɛ la kɛ u b'u minɛ Je voulais aussi dire un peu sur ce truc de la CEDEAO, parce que si votre question, par exemple, si je l'ai bien compris, normalement la CEDEAO, si la CEDEAO était venue pour sauver le problème malien, même pour sauver Ibeka, la CEDEAO aurait au moins prendre en considération les réverbérations du peuple malien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le M5 avait proposé à ce que Ibrahim Bouhar Keïta reste pour 3 ans, mais que le Premier ministre, mais qu'on a un premier ministre qui soit mis en place, faire un gouvernement auquel le premier ministre va gérer les affaires du pays. Et donc Ibeka reste en tant que président, ça c'était la un sorte premier de ministre plein pouvoir. Quoi. Plein pouvoir en quelque sorte. Donc cela permettait, même à la CEDEAO, d'être aux côtés du peuple et de comprendre la souffrance du peuple. Mais la CEDEAO n'a pas pris ça en considération. Parce que le président de la République en ce moment voulait conserver tout son pouvoir. Mais préserver tout ton pouvoir au détriment de la paix de ton pays. C'est ce que le président avait choisi. Et donc la CEDEAO aussi est partie de ce côté. Et de deux, la dernière proposition que la CEDEAO a fait, la CEDEAO demande à ce que le président de la République reste et que le président ne peut pas être. Le président ne peut pas démissionner. Parce que la constitution malienne dit ça. Mais en même temps, la CEDEAO demande à dissoudre la Cour constitutionnelle et une partie de l'Assemblée nationale. Ce qui est contraire aussi à la constitution malienne. Donc, on se pose la question. Est-ce que vraiment la CEDEAO était venue au Mali, même pour aider Ibeka? Ibeka, aujourd'hui, dans là où il se trouve, moi, je pense qu'il doit s'asseoir pour réfléchir lui-même. Et les partisans d'Ibeka doivent s'asseoir pour réfléchir. Pour dire, est-ce que la CEDEAO était venue pour nous aider ou vient nous traîner dans la boue? Parce que c'est cette situation-là qui a été créé par la non-compréhension même du peuple, qui a été aussi le bâton de pèlerinage de la CEDEAO. Donc la CEDEAO vient aujourd'hui dire, nous allons faire des sanctions contre le Mali. Mais est-ce que la CEDEAO, avec les sanctions du Mali, d'accord, s'ils le font, est-ce que ça arrêtera les autres peuples de se battre pour leur dignité et pour leur liberté? Ou bien est-ce que ces sanctions-là vont faire en sorte que le soleil ne sortira pas demain au Mali ou la pluie ne tombera pas? Donc la CEDEAO vraiment revoit sa copie. Merci M. Nyambele. On va rester toujours sur ce sujet parce que il est important de les rappeler aux gens que la CEDEAO avait pris des résolutions qui n'ont pas été respectées par le président dessus. Et aujourd'hui, pensez-vous que le peuple malien a perdu une quelconque sanction? Écoutez, venant... dans une lutte pour le développement d'un peuple, le peuple est prêt à tout. Et nous pensons honnêtement qu'aujourd'hui, le peuple malien est prêt à assumer sa responsabilité. Merci. On va passer à ce niveau-là. Et hier, on a remarqué que beaucoup des leaders du mouvement du M5 RFP ont eu à rappeler à la CEDEAO qu'il y a un protocole d'accord qui a été signé par les Nations Unies qui interdit à des États ou des communautés de fermer les frontières à un État qui n'a pas de débouché sur la mer. Et ça a été, je crois, une résolution qui a été prise en 1982 et ratifiée par le Mali en 1985. Qu'est-ce que vous dites? Parce que ça montre que la décision que la CEDEAO a prise est contraire à une résolution des Nations Unies. D'abord, tout ce que la CEDEAO fait, elle est contraire aux résolutions internationales, elle est contraire aux lois internationales, elle est contraire aux lois nationales. Et donc, ce que je dirais aux Maliens, et là, je suis sérieux, je lance un appel aux Maliens, et spécialement aux leaders. Vous savez, le Mali aujourd'hui se trouve à un tournant décisif de notre histoire. Et si nous voulons écrire notre histoire, nous devons l'assumer. Dieu merci, nous faisons frontière à quelques pays qui ne font pas partie de la CEDEAO. Et vous-même, vous venez de dire, ils ont violé la résolution des Nations Unies qui dit qu'un pays qui n'a pas de bord avec la mer ne doit pas être sanctionné comme ça. Mais Dieu merci, aujourd'hui, si la CEDEAO veut le faire, nous avons la Mauritanie qui n'est pas loin du Mali, qui a des débouchés sur la mer. Nous avons l'Algérie. Je demande aux Maliens, aujourd'hui pour faire un combat,
S'assumer veut dire être intelligent et prendre des décisions qui te permettent de diminuer la souffrance de ton peuple. Donc les leaders maliens, les démocrates comme les militaires qui vont aujourd'hui discuter, parce que nous sommes de la diaspora, mais nous pouvons seulement leur dire ce que nous pensons bon pour notre pays, parce qu'ils ne sont pas plus maliens aussi que nous. Nous pensons qu'ils ont besoin aussi de notre conseil. Donc le conseil que je leur donne, c'est la CEDEAO qui bénéficie, beaucoup de pays de la CEDEAO bénéficient des retombées du commerce avec le Mali. La Côte d'Ivoire est l'un de ces pays-là, le Sénégal comme la Guinée. Si ces pays-là refusent aujourd'hui, le Mali doit maintenant se baser beaucoup avec la Mauritanie, qui est tout près, et avec l'Algérie. Si vous remarquez très bien, les 10 donc ans passés... Vous voulez dire que le Mali doit diversifier... Le Mali doit diversifier complètement sa coopération, de business, de marchandage avec les pays auxquels elle n'avait pas. Comme vous le savez, parce que moi je connais un peu l'histoire du Mali. Vous savez, pendant 20 ou 30 ans, le Mali, le premier pays de l'Afrique de l'Ouest qui était le partenaire premier du Mali, c'était la Côte d'Ivoire. Mais quand la Côte d'Ivoire avait beaucoup de problèmes et que les Maliens avaient beaucoup de problèmes pour faire venir leurs marchandises, le Sénégal est devenu aujourd'hui le numéro 1. Ça, c'est les situations qu'on fait. Aujourd'hui, si le Sénégal, la Guinée, et la Guinée est devenue numéro 3, or que la Guinée, c'était seulement les armes, mais aujourd'hui, il y a des marchandises qui viennent par la Guinée. Et la Guinée, c'est les taxes qui sont payées au peuple guinéen. Donc si la Guinée et la Côte d'Ivoire et le Sénégal pensent aujourd'hui qu'ils doivent sanctionner le Mali là, les retombées économiques là, le Mali doit se redéfinir encore pour aller vers la Mauritanie et l'Algérie. C'est voilà le conseil que je donne au peuple malien. Est-ce que on va toujours rester à la CEDEAO parce que c'est très important, parce que la CEDEAO est la communauté ouest-africaine. Donc la question que je vais poser, c'est que est-ce que la CEDEAO ne fait pas deux poids, deux mesures. En ce sens qu'on a remarqué qu'il y a quelques présidents qui sont en train de faire quelque chose de plus grave qu'un coup d'État. Un troisième mandat anticonstitutionnel, qui ont changé leur constitution. Et ces mêmes gens-là viennent donner des leçons au Mali. Que dites-vous à ça? D'abord, par principe, je suis contre toute violation de la constitution des pays. Et comme c'est des pays qui sont différents du Mali aujourd'hui, mais je dirais que les peuples apprécieraient leurs décisions. Mais ce que je peux dire, je suis quand même contre toute sorte de troisième mandat dans un pays. Ça veut dire que si vous-même dans votre propre parti, ça c'est ma compréhension personnelle, si vous faites 10 ans de pouvoir, et après 10 ans de pouvoir, vous n'avez pas quelqu'un dans votre propre groupe pour vous remplacer. Moi, je pense que ce n'est même pas... L'insulte commence d'abord dans votre propre camp. Vous insultez les gens qui ont travaillé avec vous pendant 10 ans. C'est que je n'approuve pas. Et c'est une insulte aussi pour vos peuples. Mais, je laisse l'appréciation à ces peuples-là. Parce que je sais que si c'était le Mali, j'aurais été l'un de ces premiers-là qui serait là, au devant de la guerre, pour faire en tout... pour que la personne là, aujourd'hui, Ibeka même, la manière que Ibeka est parti là, serait mieux que la manière que cette personne là va partir. Ok, qu'est-ce que vous dites à M. Ganambama? Et même monde faut, il y a CEDEAO, président Faranyouanke, Odonna, président dont il y a décision minuta, il y a beaucoup de peuples maliens soutenus. Donc, Donc, Malien ba fo tuko mina nanga dumni kebe maldela be maldela mali okay. Se ka kongo anti se ka jara sisini ala sona dumni ko ta fa fela balola sereo mo gomi ka du ko kemeni ala sona mali dumbe balo
Okay, le diaspora Bella Djelenfou. Monsieur Nyambele, que dites-vous au président de la CEDEAO qui ont eu à soutenir lors de leur conférence, visioconférence, la dernière fois, pour soutenir le peuple malien? Bon, nous les remercions. Nous les remercions au fond de nos cœurs et nous les remercions aussi pour le peuple malien. Nous pensons que ces présidents-là, il y a aussi même le président du Burkina, Monsieur Kabore, le président de Guinée-Bissau, le jeune de Guinée-Bissau, et puis le président du Sénégal. Même si vous avez vu que les médicaments et les produits de première nécessité vont rentrer au Mali, c'est grâce à ces présidents-là. Donc si nous devons parler mal de la CEDEAO, il faut qu'on fasse la différence. Pour ceux qui sont du côté du peuple et pour ceux qui sont juste au côté du pouvoir, comme si le pouvoir n'appartenait pas au peuple. Parce que vous ne pouvez pas même être aux côtés du pouvoir si vous n'êtes pas aux côtés du peuple, parce que le pouvoir appartient au peuple. Mais souvent, le peuple aveugle des gens. Quand je vois aujourd'hui un président comme Alpha Condé qui a fait plus de 40 ans d'opposition, aujourd'hui qui peut s'asseoir et demander au peuple de la CEDEAO de sanctionner le Mali parce que un président dictateur, si on regarde pendant 7 ans, le Mali, le président qui est parti, d'abord l'insécurité. Ils ont vu des villages brûlés, des femmes enceintes tuées, des enfants de 2 ans, de 2 mois tués. Ils ont vu des militaires, des camps des militaires, plus de 100 militaires tués. Ils ont vu l'autre jour, le forçat est sorti pour aller dans les mosquées. Même les pays qui ne se disent pas musulmans ne le feront pas. Même le président qui ne croit pas en Dieu ne le ferait pas. Le président qui ne croit pas en Dieu ne partirait jamais dans un lieu de culte, que ce soit musulman, chrétien, bouddhiste, n'importe quelle sorte de culte, ne partirait là-bas pour tuer les gens. Parce que même dans la guerre civile, c'est les mosquées, les churches, c'est-à-dire les églises, les cultes, là où se passe, là où les gens vont se rassembler pour Dieu, c'est là-bas où les pauvres pour aller se cacher. Et dans la loi internationale, ça c'est des places qu'on ne doit même pas toucher. Mais il y a des présidents africains, on a eu 23 morts à la mosquée. 23 personnes tuées à la mosquée, plus de 50 à 60 décès. Mais même si vous n'aimez pas Dieu, aimez-vous-même. Donc moi je dirais à ces présidents-là, vraiment que Dieu les pardonne. Parce que nous sommes convaincus que Dieu, il a le pardon éternel. Mais nous voudrons leur dire qu'ils sont dans l'erreur et que la seule chose qu'ils peuvent faire aujourd'hui, c'est de se repentir pour reconnaître la souffrance du peuple malien et travailler avec le Mali, faire en sorte que le Mali et la communauté internationale toute entière peuvent travailler ensemble en commençant par la CEDEAO. Voilà, c'est l'appel que je peux les lancer. Mais je remercie les présidents déjà qui ont compris et aussi des peuples qui ont compris. Parce que si on remarque, nous sommes soutenus à 80% des peuples de la CEDEAO. Vous avez vu des partis politiques sénégalais, des partis politiques nigériens, qui même parlent l'anglais, ghanéens, guinée-bissauiens, burkinabés, ivoiriens, tous ces pays-là, nigériens qui sont venus pour dire bravo au peuple malien et nous sommes avec vous. Donc, il y a une disconnexion entre ces présidents-là et leurs propres peuples. Donc, nous les demandons de se faire connecter. Parce que ce n'est pas le peuple de se connecter à vous, c'est vous qui vous connectez au peuple. Sinon, ça serait trop tard. Ok, merci, M. Nyambele. Nous allons continuer avec nos questions. Nous allons, cette fois-ci, vous demander, que pensez-vous du futur du Mali avec les militaires qui ont promis de retourner très rapidement le pouvoir à une transition civile. Et merci beaucoup, et mon cher ami journaliste de African TV. Je voudrais vous dire que, vous savez, aujourd'hui, le Mali et les Maliens n'ont plus le choix. Nous avons vu, si ça est du pire, nous avons tout vu. Donc aujourd'hui, le Malien et le peuple malien n'a pas le choix que de faire en sorte que le pouvoir soit un pouvoir du peuple. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le Malien aujourd'hui, que ce soit politique ou militaire, nous sommes obligés d'aller sur une réforme
qui permet vraiment au peuple malien de bénéficier des retombées des ressources du Mali. Et que la justice soit égale. Que l'éducation soit permise à tous. Et que l'égale chance soit donnée à tout le peuple malien. C'est-à-dire que ton père soit ministre, directeur, ou paysan, ou commerçant, ou simple fonctionnaire, si les enfants qui vont à l'école ont les mêmes chances d'avoir les mêmes retombées quand les examens viennent. C'est-à-dire que le favoritisme soit diminué. Et aujourd'hui, le Malien n'a pas le choix. Nous sommes aujourd'hui obligés de nous battre contre la corruption. Parce que ça, c'est l'ennemi numéro un. Et mais ça a été entretenu par les pouvoirs en place. Donc, le Malien aujourd'hui, comme je l'ai dit, on ne peut pas voir plus pire que maintenant. Donc la seule chose que je pense que le meilleur est à venir. Parce que quand vous avez, quand vous voyez tous les mal, le reste qui vous reste maintenant là, c'est seulement que d'aller vers le futur. Quoi. C'est-à-dire que c'est comme vous devenez pauvre jusqu'à un point où, auquel vous n'avez même plus quelque chose à déjeuner demain matin. Vous savez ce que vous faites? Vous posez la question, vous voyez quoi? Puisque je ne vais pas mourir, je me battrai pour que demain ou après-demain, que j'ai le déjeuner de demain, et après-demain, et après-demain, et après-demain, pour me permettre de me fixer et de faire en sorte que mes enfants n'arrivent plus à faire cela. Okay. Et nous, notre combat aujourd'hui, pour nous, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons tout vu, mais que nos enfants et nos petits-enfants, maintenant, ne voient pas ce que nous avons vu, qu'ils voient seulement que le bonheur au Mali. C'est ça le combat au Mali. Ok, merci bien, M. Nyambele. Madame Nyang Bakro Diabaté, nous allons amener à Nyingali Dankouye la Sissan. Amener à Nyingali Mi Kela, Oye Ka Nyingali Ke Naya Soro, et à Kina et Jumaye Mali Kouraïna, et à Kina et Jumaye Surasun, nous, Minun Nana, Pepluga Barato Dafa, Ebola Akokangata Tuojmena, comme il y a Fokoube Fangasi Jona Jona Siviluma. Ok, ambe afo alhamdulillah rabbil alamin ne akilnay mi ola abenya parce que barake choko bayira yaira ka fo mo ko te fanga la nyore fo kube fanga di civiluma fanga du mara di civiluma civilu fene yemi u nyena san joli kono malikola u ba mi no bolo flala bo M5 fene mo gomu far la nyonga nu tun te sera kelena malikono ou bien faire la nyonga pas pour boulot nyonga ma ouais les soigner bien ta famille comme quoi mon gros c'est que j'ai 6 ans que baraque et que avait nyonga boulot ben il y a des gens qui sont qui l'indé qu'on connaît d'ailleurs les nyonga baraque ro ou straka donc d'aime c'est nous nous faisons bien nos sur la somme nous bien nous fleka d'arra du coup ta rabanda là ou nous veut dire que baraque ou bien mali surveille fait la benya mali ben a n'y a des. Okay. West Afrique la Mali bena nya kosobe. Ah kilna juma ye amena antsega ni banama kuma fo honorable Soumaila Cissé kan. Minenen do abe kalo duru nyo na bo. Anya ye ga fokunu ka foko lettre chama chama kumbega na. Me akunte ga se aga famima. Me anya jati mine ga fo depuis fanga mbina lettre commencera ga di famima akina ejuna ro ne akila e miola Soumaila Cissé M5 ga barai a initiative bora Soumaila Cissé la yana be mine Soumaila Cissé baraba de keni pula comme quoi ka ira président de la république corolla ibeka mo wele beka franyonka angam bulu di nyokoma am se ka keleke ka no ko problème ba djoko mina initiative bora Soumaila la Soumaila Cissé a te che bulu atem so bulu ak me fanga koro boko di bulu donc ni Soumaila e ni ibeka kuma bi ka fanga bo ibeka bulu donc Soumaila ko kuma tote ya o lettre o mi tira o beda tugule ku ta na ala te son ala te son donc o bayran na ga fo mo wonu kun be ga fo ka bisigi ke ka foko fanga koromogo ulu semaine nkola du fait que depuis ubina anye kibari asoro ulu de sendale kubaka ulu de sendale kubaka mais Soumaila Cissé re ala ya abe bon na la sona inshallah. Ok, merci beaucoup. Ouais, je voudrais intervenir sur la question là. Je pense que quand on regarde la situation aujourd'hui du Mali,
Si vous prenez un discours de Soumala Cissé en 2015, à l'Assemblée nationale, quand Moussa Mara était Premier ministre, ce jour-là, il a fait un cri de cœur au pouvoir en place. Il a fait un cri de cœur au gouvernement malien. Il a même dit ce jour-là que de considérer l'opposition, de ne pas considérer l'opposition comme l'ennemi, parce que l'opposition est en train de les aider à ce qu'une révolution populaire ne vienne pour ramasser ce gouvernement qui est en place. Que mieux vaut écouter l'opposition que de la rue de venir. Vous savez, chaque fois que je pense à Laurent Soumala Cissé, je pense que l'homme, c'est-à-dire qu'en dehors de toute calculation politique, l'homme a un certain nombre de valeurs auxquelles que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, doit être reconnu. Parce que, vous savez quoi, des hommes valeureux, on ne peut pas prendre la main pour cacher. Souvent là, si c'est comme Imam Digo aujourd'hui, tu peux les aimer ou les détester, mais il y a des gens qui aiment le pays, le Mali. Voilà quelqu'un, depuis 2013, quand Ibeka a gagné, il savait que ce gouvernement-là, ce président-là, n'avait pas ni de programme pour le Mali, ni de vision pour le Mali, ni de solution pour la situation malienne, parce qu'il connaît l'homme. Et il a attiré l'attention du peuple malien. Mais on n'a pas compris. Pendant 7 ans, toutes les choses qu'aujourd'hui le peuple malien sort pour dire le gouvernement a fait ça, c'est l'opposition malienne qui est sortie pour mettre ça à la place publique. L'argent que le président de la République prenait, 150 millions de francs CFA par mois, et le Premier ministre 75 millions, les 25 millions pour le 35 millions pour le président de l'Assemblée nationale, mais dans un pays en guerre, l'achat des armements militaires, l'avion présidentiel, tout cela. C'est l'opposition qui est sortie pour dénoncer. C'est l'opposition qui a crié. Le dialogue inclusif est l'un des programmes clés et phares et de combat de Soumala Cissé après les élections de 2018. Mais à la fin, qu'est-ce que nous avons vu à la finish? Et la même CEDEAO est venue en ce moment pour demander, parce que les gens oublient l'histoire du Mali. Nous autres, on fait partie de cette histoire-là. Donc si les autres l'oublient, aujourd'hui il y a beaucoup qui disent nous sommes contre Ibeka, nous sommes dans M5 là. Mais c'est nous, depuis 2015, on a attiré l'attention des uns et des autres. Donc que les gens le comprennent, que vous le voulez ou pas, nous faisons partie de cette histoire nouvelle du Mali. Qu'on le veuille ou pas. Parce que nous avons compris depuis le début que cela devait cesser. Et donc, je pense que Soumala Cissé aujourd'hui, vous avez posé la question, l'enlèvement de Soumala Cissé, et les nouvelles qui sont cachées depuis plus d'un mois. Vous savez, quand on n'a pas de cœur, je ne parle même pas d'un président. Je me prends moi-même en tant qu'exemple. Et vous en tant que personne, en journaliste de Africa TV, Vision. C'est-à-dire que si vous, quelqu'un vous enlève, votre famille est en train de pleurer chaque jour, vos enfants, et moi je reste avec ma femme et mes enfants, et je sais là où vous êtes. Je sais que votre famille a besoin de vos nouvelles. Et puis je fais expressément de bloquer ça. Je n'appelle même pas ça méchant. Moi j'appelle ça cynique. Comme si tu n'as pas de cœur. Et en même temps, vous dites à votre femme, je vous aime. Vous dites à vos enfants, je vous aime. Vous savez, Dieu ne dort pas. Quand vous faites du mal à quelqu'un, c'est pourquoi on dit en Bambara, il dit déjà, parce que donc Dieu aujourd'hui a montré au peuple malien et au monde entier et on demande à tous les musulmans du monde et aux tous les musulmans du Mali et au M5 avec aussi en tête avec les militaires qui sont avec nous, que ce mouvement, que ce gouvernement de transition qui va être mis en place, que le problème de Soumala soit numéro 1. D'abord, nous voulons que Soumala vienne rapidement pour participer à la transition, au travail de la transition. Parce que le Mali a besoin de lui.
Les Maliens ont besoin de son aide et de ses idées. Donc vraiment, je pense que votre question, chaque fois que je pense à ça, ça fait mal. Et donc, si je continue à lui parler, je pense que je vais dire des choses que je ne dois pas dire à la télévision, mais je dirais aux gens vraiment d'avoir du cœur et penser à leurs propres enfants et à leurs propres familles quand il s'agit de quelqu'un d'autre. Merci. Okay. Malien Beoulila, ni be malikono, ni be koka, Beoulila, ni dusun kele. Ali bambe do yini befe, o dusun kele, o kata ali bi, fokata fo smaila bora kadwa kaso. Beniche, beyi seko kede. Mi kumana mi makuma beyi seko ke. Donc ambe do yini befe alibi, ala ka nyuma bo alibi, ka nyuma dwa kaso. Que dites-vous aux membres du M5 qui ont fait de ça une priorité de leur lutte? Avez-vous un mot pour... Le mot que j'ai, c'est... Vous savez, quand quelque chose se fait et que c'est bon, la seule chose, s'il y avait des mots qui pouvaient aller avec des millions de words, j'allais le dire. Mais seulement, la seule chose que tu peux dire, c'est de dire merci. Mais ce merci, qu'ils sachent que ça vient du fond du cœur. Et que ce n'est pas pour cela qu'ils se battent. Ils se battent pour eux-mêmes. Pourquoi je dis ça? Si une personne comme Soumala peut disparaître dans un pays comme le Mali et que des gens peuvent continuer à supporter un gouvernement, le gouvernement qui gère ce pays-là, d'après les Ivoiriens, j'ai dit Yako à ces gens-là. Yako, pourquoi? Parce qu'un pays, le premier responsable de la sécurité des uns et des autres, c'est le gouvernement, c'est l'État. Quand un État faillit à cela, cet État doit partir. Mais je dis vraiment aux M5, aux hommes et aux femmes du M5, merci et que Dieu le Tout-Puissant ne vous paye pas de la même manière, mais nous disons merci à vous et à vous toutes. Merci. Que dites-vous particulièrement à l'autorité morale Imam Diko, vous savez, le mot manque. Le mot manque. D'abord, nous avons personnellement une appréhension personnelle pour lui, en tant que d'abord humain, et en tant qu'imam. Et de deux, et de trois, en tant qu'homme de parole. Parce que tous les hommes ne sont pas les hommes de parole. Et la différence entre les hommes n'est pas le degré de richesse que vous possédez, mais c'est la différence de dignité que vous portez en vous. Et la différence entre les hommes, c'est aussi votre parole donnée. Et aussi la ligne que vous tracez en tant qu'être humain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce que vous dites et ce que vous faites, s'il y a une contradiction, donc on connaît déjà qui vous êtes. Mais ce que vous dites et ce que vous faites, c'est ça qui définit l'être humain. Et nous avons vu que ce monsieur, ce n'est pas commencé par Ibeka. Hein? Nous commençons depuis 91. À chaque fois qu'il y a quelque chose de mauvais qui devait aller à ce pays-là, qu'on l'a écouté ou qu'on ne l'a pas écouté, il a donné son point de vue et il est resté comme ça. J'appelle ça la dignité, l'honnêteté. Quand les gens parlent de Aounye Horonye, Horonye ni Dambé, Dambé Koreko Dan Dokakila, Adamadi à la fois. Mais tant qu'il est maintenant au Danga, il a Dambé Bipa. Il a au Dambé Djumaye, Katoïk Makanka. Bon, maintenant, on voit des fois, allez, on fait, c'est ce qu'on a. On dit plutôt la mort que la honte. Au corps du maï. Mif malot, mais ça y a tani maloui. Au tout, sur le doré fait. Il manque à faire mike, il mène l'eau là. Il manque à faire mita, il y a autant. Il manque à faire mitu, il y a du. Donc, halla sur le coup, aujourd'hui, en a diamana tira mon effet. C'est ça. Moube, non, lui, fonction sur au lieu qu'on a baraké diamana, c'est le degré de l'argent qu'ils peuvent avoir pour eux-mêmes. C'est-à-dire que le degré de recherche. Donc, il y a des gens qui ont été dans. Ce n'est pas seulement Mali. Hein. L'Afrique de l'Ouest, il y a des gens qui ont été dans. C'est-à-dire que ni fonction de la Mouroma, ni Atigimata, Djamana, Nafoulou, Chonka, États-Unis, Fégao, Djo, quoi que la Dangadé. Mais ceux qui travaillent durement, mais qui sont en location, mais qui nourrissent leurs enfants avec leur sueur, on fait flofo, on le couille, Khorondi. Mais au Khoroya, Taraka Boye, donc comme j'ai notre soeur ici, elle est aussi griotte. Et le travail des griots, c'est de nous rappeler de notre histoire. Donc je pense qu'elle va lancer un appel.
qu'on essaie de revenir sur nous-mêmes. Le imam Diko a toujours lancé cet appel-là. Et moi, malien de la diaspora, j'ajoute sur cet appel-là que nous, maliens, qu'on va s'arrêter devant le miroir chaque matin pour nous regarder ce que nous sommes en train de faire chaque jour pour notre pays. Comme Kennedy le disait, ne demande pas qu'est-ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays. Donc je m'arrête là. Je crois que elle va nous. C'est eux qui, les griots, sont les gardiens de nos mémoires et de nos dignités. Et ça, c'est chez nous, en Afrique de l'Ouest. Donc je la laisse tradition. La parole. Voilà. Aïwa. Mamou Diko. Allah est fendo dama. Au débat. Il fait comme il faut depuis 91. Nabe malikola moko munu ba foko karamoko ku sembo malikola ko nyama kala ku sembo malikola ote kuma yo faso e bede sembe faso kola Mamoudi Diko en tant que karamoko asendo na malikola ni nor keleli e kabra e nor keleli buli ki jo ni ibeka ya donc a fo abeka nor keleli Kamina Fangala a donné contrôle. Nor quelle l'idée à tout, Mamoudi Diko ni Ibeka Masekabe. Parce que Mamoudi Diko a fait ça quoi a n'y a pas la famille, a n'y a pas la réalité belle. Donc on est là, bla là quoi. Mais alhamdulillah, Allah est famille dame, mais c'est quoi? Allah est noro de jira du soukouna. Nala est noro de jira du soukouna. Abi demeji na teke fem bela jelena. Ani douni barka, ani dambe. Dambe Mamoudi Diko a dambe kadai aya jatimina ga fo kunu akunya fo ko maliom beguti tege di nyoba ma aye bewele ko kale ga dabla ya kina e dine ma fam kunu aya jatimina marske yoro la Mamoudi Diko e maliom bewele ko tege di nyoba ma pour que ka mali kura glanfa aga na ke Rankin ko ye kake vengeance ko ye akilna jume wa ne akilna ye miula ayo aklibe barake koju parce que ben te koko la a te avancé foko bolo di ngoko madi jamana ko bola du ko bola quartier ko bola du ko na ko bola ni ben te koko la te ngana ko donc ayo message mi bla pe ka message mi bla itu ko parce que Mali avait la clan sisa a te clan abadal ta sorom ko cité no mo ni mo ko dusu may it c'est comme Mali clan parce que il ka fo ibe doni Mali ko e blé ko wera la ko bana c'est fini ça eh alhamdoulillah ande mo no tara ko fe ka ta ka lake o lu de na le teli o be ka tali donc mo ko be tem se nou la Mali fe na kono ka fara nyon ka ka che ka baraka nyon fe ambo message bla kata demseri fe fe tarakala nke diaspora la amba nyi nu fe ala ka barka dula o ka sigi kana faru balma to ka mali kono o ku deme ka mali jire aya jati mena ga fokunu marshi ke yoro la fana Sheikh Umar Sissoko a kuye kuma do fo ko mali on yere ka change il est temps aussi anana fem be da marabaga ku me dobe mali on fana na bele bele mali on yere la ni mɔgɔ min kɛra ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ bɛ girin o kan ka taa wari dela la ka fɛn wɛrɛw dela la o ko nunu ka dabila jamana kɔnɔ parce que c'est des choses qui poussent à la personne à voler bon o yɔrɔ la n bɛ se ka min da o kan adamaden bɛɛ kan k'i kɔfilɛ de kunu tɛmɛna mɛ an bɛ bi la sini fɛnɛ b'a la bolo bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ corruption o koni yo de fongo bana ngo mali ko mo ngo ni ma doni du suku ma ya beje en même temps fene ne be na message black ata mbalma be mbalma mso be yoro yoro mali ko no mali ko ka ni mso te ko ko la te ngana bo mso e fem ba de jabana jola munu wulla ku jo faso ko la ka foli baduma ali bu ka continue en même temps Oh, la charité ordonnée commence par soi-même. Nyamakala fin fait nabe mali koma. Mfau, mbau,
donu bal mamso bal makew be ki wuli ki jo anga mali ko yi anga dla nyoro fe anga jeka mali dla ne makala bela jele be bonya be ni kumala ala ka ambe fanga se anga se ka faso yi se ga chukula kira ka ni ko so sala la ba fanga. Mais okay. Je voudrais rebondir un peu sur la question. Il y a deux questions que vous avez posées. L'appréciation, quand l'imam a demandé à ce que les Maliens se donnent la main pour travailler le Mali ensemble. Je suis complètement de cet avis-là. Mais que les Maliens se donnent la main dans la vérité et dans le congrès. Et je l'ai aussi vu hier, il a dit que le gouvernement, tous les mal qu'ils ont fait, maintenant qu'on laisse à Dieu, que Dieu nous a déjà donné raison. C'est vrai, je suis d'accord avec lui parce que c'est son il est imam. Mais moi en tant que Malien, j'ai dit imam, nous avons beaucoup de respect pour vous, vous êtes imam, on vous a bien écouté. Mais nous pensons que cette fois-ci, il faut faire en sorte que les gens n'ont pas seulement peur de voler, mais que les gens sachent que si tu voles, c'est le dernier sou que tu as dans ta main. Mais pour le faire, il faut donner un exemple. Vous savez, je sais que depuis 91 jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de mal qui s'est fait sur le plan économique. Mais les 7 dernières années a été des années catastrophiques. Ça a été des années économiquement catastrophiques pour le Mali. Et la corruption est devenue comme... Regardez, on voit aujourd'hui des gens qui n'avaient même pas 1 million qui sont subitement devenus des milliardaires et multimilliardaires. Pas seulement des milliardaires, mais multimilliardaires, en détournant et volant l'argent du pays. Donc nous pensons que ceux-là doivent faire face à la justice. Quel est votre dernier mot à l'égard des Maliens qui se sont levés ici au nom du N5 pour cette lutte-là? Et la question, quel est M. Liambama? Oui, yeah, mais rapidement, il nous reste juste quelques minutes. Je voudrais vraiment d'abord vous remercier. Et aussi remercier nos téléspectateurs, parce que nous pensons que pour s'asseoir, pour écouter tout cela, ils doivent aussi mettre le temps, et nous les remercions déjà pour ça. Mais en même temps, je voudrais remercier les Maliens et les Maliennes, du Mali comme de la diaspora, mais spécialement ceux des États-Unis. Parce que nous sommes quand même le pays, le M5, dont nous sommes organisés. Et nous sommes le seul pays qui a envoyé plus de 20 000 dollars au Mali pour cette lutte-là. Que les gens le sachent. Ce n'est pas parce que nous avons l'argent pour jeter aux fenêtres, hein, mais c'est parce que nous pensons à notre pays. Et donc tous les Maliens et Maliennes qui ont participé vraiment à donner un sou, qu'ils soient millionnaires ou qu'ils soient quelqu'un qui travaille de jour au jour, de paycheck en paycheck, nous leur disons merci. Ils ont montré un sacrifice énorme. Parce que nous ne sommes pas le seul pays de la diaspora. Les Maliens se trouvent dans 77 pays au monde. Mais nous avons donné le plus et nous avons donné notre... Et aussi ceux qui sont sortis chaque jour pour venir devant l'ambassade du Mali et les Nations Unies, sur le soleil. Il y a des jours où il y avait beaucoup de pluie. Il y a des jours où c'était... il y avait beaucoup de soleil, mais ils sont venus pour défendre le pays. Et donc nous leur disons merci. Et nous leur disons aussi que, inchallah, bientôt, il y aura un jour où nous allons tous nous retrouver pour remercier les uns et les autres. Mais je lance aussi un appel à la jeunesse malienne, de ne pas cette fois-ci être à côté, et aussi aux femmes maliennes, que chacun vient pour mettre sa main dans la pâte. Mais allez-vous organiser une marche de soutien aux forces armées? Bon, nous allons organiser une marche de soutien au peuple malien, à la lutte héroïque du Mali, parce que nous voulons éviter que il y a des gens de la communauté internationale utilisent comme si l'armée avait fait quelque chose contraire à ce que le peuple veut. Donc nos remerciements vont aller au peuple malien et aux militaires maliens. Merci. Amba, il a comment là-bas et du M5 Mogominumbea. Ok, M5 Mogominumbea, Ambebola, Nebe Fouli di Bella Jelema. Aungasikani Fossisan, au Terceau Colay. Donc,
kou fo ou ka barakele na kou fo ou ka energie la kou fo ka akili yumayon na a video ke la paske ne an kouma ou kouma ne ba fo mbe diaspora fo an ba fo alhamdulillah de me fasoko be bela bebe sigi ni maliko e dongo do fasa e tunga konona la donc ka bara gelem ba nou nou toye kou sigi ka an koncentre malika ne be diaspora be fo ka M5 bela jene fo ka mbalma ou be fo an de ou fene an jigi ba ou deka aya ou jija ou ka wuli ka ou fene fo ka barka do ou la ya rabbi mali joli ala ka nokoya nala sona marchi kon menake amena bo ka nga sorda suka marchi ke no be ke domina a nyini ne be bere fe mo koro ba ou dem seni muso bela jele ka bo na dati amena dati fixe na dati fixe ra be ka bo mo shika na daso kono be ka bo kana anga faso yi marchi ke ka nga sorda su remercie Ok, merci à nos téléspectateurs d'Afrique Vision Network. C'était un entretien exclusif avec des Maliens vivant aux États-Unis du M5 RFP. Nous leur disons merci et à une autre fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup.